Cette fois-ci, nous allons essayer de réfléchir et d'échanger out of the box. Nous allons donc sortir du cadre. Vodacom Congo a été présent à la 7e édition du Forum Makutano qui s'est tenu le mardi 7 et mercredi 8 décembre 2021 à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Ce forum a mis en place plusieurs panels et Vodacom Congo a participé à la table ronde sous le thème « Numérique et si on commençait par l'école ?». Au cours de sa présentation, Albert Mboyo, représentant du DG de Vodacom, Khalil Al-Hamerikani, a exposé autour des produits qu'offre Vodacom dans le domaine du numérique. Bon, Makutano déjà à Lingala se rencontre. Et Makutano, chaque fois que vous venez, c'est des grands thèmes débattus pour permettre au Congo de demain d'aller de l'avant. Et Vodacom, c'est une société qui a toujours une longueur d'avance. Et nous ne pouvons pas être absents dans ces débats. C'est pourquoi nous sommes là pour donner notre contribution dans ces débats pour le Congo de demain. Et quand nous parlons de la contribution, Vodacom ne se dit pas que commerçant. Vodacom aussi est aussi un citoyen. Et comme citoyen, Vodacom contribue par sa fondation à l'essor et au développement de nos communautés locales. Quand je parlais par exemple des bourses, de la plateforme Vodaeduc, où nous permettons aux gens d'accéder au contenu éducatif gratuitement, c'est notre contribution à l'éducation. Parmi les hôtes de la 7e édition du Forum Makutano, le ministre du Numérique, Désiré Kachimir, qui n'a pas manqué de placer un mot. Les applications qui sont susceptibles d'améliorer les conditions de vie sont pour la plupart aujourd'hui très utilisés par les jeunes. Voilà pourquoi nous, en tant que ministre en charge du numérique, nous avons le devoir de promouvoir la connaissance, n'est-ce pas, des instruments du numérique, de promouvoir les infrastructures du numérique et surtout les solutions, parce que les applications, en réalité, se présentent comme des solutions du numérique. Et donc, nous espérons vivement que ces solutions, ces applications, vont davantage prospérer dans les prochains jours avec, bien entendu, l'aide de l'État à travers notre ministère. La 7e édition du Forum Makutano s'est clôturée par une randonnée sur le fleuve Congo avec tous les invités au Forum, dont Vodacom Congo. Ensemble, tout devient possible. Vodacom.